donnes un micro pour te servir, t'as juste à le tenir et à lécher. C'est tout. Voilà. Tu viens régulièrement ces temps? Ouais, bon, tous les mois. Tous les mois. T'es un passionné d'alpha? Ouais, entre autres. Alpha, anglaise. Ah, c'est bien, voilà. C'est bien. C'est bien. T'es ouvert, quoi. Voilà, voilà. Alors, cette voiture-là, elle a été présentée pour la première fois, je crois, dans les années 75-74, Alfetta, avec le 1800 à droite. V6, V6 hein, qui se reconnaît à son posage, ouais, sur le capot. Là, c'est en 81. Ouais, voilà. Donc 74 pour les premières. Et les tout derniers modèles sont en quelle année? 87. 87, hein. 87, je vais terminer. C'est une voiture qui a été. Qui n'a pas été très innovée au départ. Elle a remplacé une voiture qui était mythique. Ouais, le coupé Berton GTV. Ouais, ouais. On a eu du mal. Ça portait trop, etc. Voilà, c'était une formation originale qui a été dessinée par qui, tu sais? Dugaro. Dugaro, voilà, qui est un grand dessinateur italien. Italien, bien sûr. Alors la tienne, elle est de quelle année? Elle est plus récente que 74. 83. Elle est de 83. Donc c'est une 2 litres? 2 litres, 83. Voilà. 132 chevaux. 132 chevaux, pour un poids à peu près? 1 tonne 100. 1 tonne 100. Voilà. Ok, comme les Alpines qu'on voyait tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Bah non, elles sont toutes pourries. Bah ouais. Les moteurs ils tiennent, mais les carrosseries. Pourquoi? Parce que la tôle qui était employée à l'époque était de mauvaise qualité. On l'a dit, on redit, hein, souvent à chaque fois qu'on présente une Alpha ou une italienne, voilà, hein, les tôles étaient de très mauvaise qualité. La tienne, dis donc, elle a l'air super. Elle a été restaurée ou... Non. Elle n'a jamais roulé. Elle était repeinte avant que je l'ai. Moi, ça fait 15 ans que je l'ai. 15 ans? Elle avait été repeinte dans les années 80. Ouais. Et puis, bon, moi, quand je l'ai racheté, par des petites gauches. Non, elle est double, juste au spray. Ah ouais, je suis frais comme ça. Je la mets au garage au sec. Ouais. Et puis voilà. Tu la sens pas quand il pleut. Ouais, c'est pas gagné. Non, même quand il pleut, je sens. Ouais. Bon, allez, on va la détailler. On a un habitat qui est quand même assez sympa. Alors. Il y a eu des séries, hein. La première série avait les pare-chocs chromés. Là on est sur une série 2. Ouais, voilà, série 2. Et je me rappelle que sur les premières séries, on va ouvrir aussi là pour que les gens voient bien. Voilà. Alors les premières séries, je me rappelle, en face de toi, tu avais un contre-tour. Ouais. Et le tableau de bord était décalé ici. Exactement. Alors c'était bien pour bien montrer que c'était une sportive, là, et que le contour. Le contour est toujours au milieu, mais on a ramené quand même les autres. Ils ont fait comme chez Porsche. Toujours le contour devant. Toujours le contour dans l'axe, voilà, du pilote, hein, je précise, ouais, bien. Voilà. Après on a tous les autres petits manos qui sont là. Dans une Alpha en général, on s'y sent toujours bien. Hein. Bon là, noir c'est noir, même si on a du tissu sur les sièges, hein, qui est assez sympa, qui est assez bien vieilli, des sièges bien dessinés pour les gens ici, pour les... Et on a un toit ouvrant. Ouais, c'est une option. C'est une option, c'est pas fort. Ouais, manuel bien sûr, c'est pas électrique. Voilà, pas de fuite, non, il fonctionne bien. Voilà, je peux l'ouvrir. Ah bon, je demande. Hein. Voilà, et on pousse. Voilà. Et là c'est sympa, hein, il fait beau. Voilà, il marche très très bien en plus, hein, parce que souvent c'est un peu coincé. On a le fameux volant, c'est le volant d'origine? Non, c'est pas le volant d'origine. C'est une imitation bois. C'est imitation bois, je me rappelle parce que j'ai une Alpha Sud, c'était un peu le même genre. Et le pommeau c'est la même chose. Ouais. Donc, d'accord. Simplement, j'ai mis un volant, c'était l'option d'époque. Ouais, sympa. Hein, c'est bon, avec, voilà. Le pommeau tombe bien sous les... Voilà. On a envie de faire de la route aussi avec cette voiture. On sent tout de suite... On a une petite console centrale, un vide poche. Non. C'est bien conçu. Le tableau de bord est assez bien conçu. On visualise tout de suite. C'est une voiture moderne. C'est une voiture assez moderne, voilà. À l'arrière, on a... Alors, c'est une 4 places ou pas? Ah, c'est une vraie 2 plus 2. Ah non, c'est pas comme le coupé. Ouais. Ça, c'est une vraie 4 places. 4 places, on voit que les des sièges à l'arrière qui peuvent être... C'est glissé, pour y arriver. Ouais. Une fois qu'on est dedans, deux adultes, ils tiennent. D'accord. Ouais. On a des vitres électriques. Ouais, vitres électriques et rétro. Rétro électrique. C'est l'option, hein. L'option, d'accord. Pas de direction assistée. Ah, ça non, ça, non. Ça c'est un camion. C'est un camion, c'est très dur la direction. Ah, ouais. La direction, pas quand on roule. Mais je veux dire la direction. Même les V6 n'avaient pas la direction assistée. Non, d'accord.
Alors la forme, on n'aime pas. Moi, j'adore la forme. J'aime beaucoup cette forme arrière de lit. Elle est très, très, très belle. Juste pour les feux, je préférais la première version. Ouais, les feux en deux parties. C'était plus sympa. Ouais. Les pare-chocs, il est venu, hein, les pare-chocs, donc c'est obligé. Les pare-chocs compromis, c'était plus sympa aussi. On a un baisse, regardez, ce rayon, qui fait aileron à l'arrière, hein, qui fait béquet en fait, hein, pas aileron, béquet, hein, pour la plus route. Voilà, je pense qu'on peut ouvrir. Ouais. Du monde derrière dedans. Ah, bah, il y a un peu. Ah, voilà. Ah, il y a Omen. Ah, il y a Omen. Un nouvel amortisseur, là. Voilà, c'est costaud. Mec, oui, c'est bien rangé en plus. T'as des bacs, là, t'es ordonné, toi. Alors là, c'est des fois, je ouvre des coffres, ça peut. Là, toi, t'es ordonné. Ah, ouais, t'as un assez grand coffre. C'est grand, le réservoir, il se trouve où? En dessous, ouais, à plat. Ouais, là, sur le côté. Là, sur le côté, ouais, et la roue de secours. Et la roue de secours, dans les gens. Elle est en dessous. France, c'est la coupe du réservoir. Voilà. Et la roue de secours. Et ouais, classique des années 70, voilà, c'était la disposition. Réservoir d'un côté, roue de secours de l'autre. Voilà. Le moteur qu'on va détailler. Alors, c'est le fameux double A. C'est le fameux double A. On adore ce moteur. Moteur mythique, s'il en est. Voilà, elle est vraiment très belle, ta voiture. Elle est vraiment Le moteur est propre aussi. Un petit peu de légèrement, comme tout. Ici, là, on va surveiller, là aussi. Ça sera, ouais, c'est programmé. C'est programmé. C'est la maladie, ces voitures-là. On va les scènes. En fait, tu l'as localisé, hein, c'est bien. Voilà, je vais te stopper. Ouais, ouais. Il fera surveiller ça assez rapidement. Donc, le fameux double arbre qu'on avait déjà dans le modèle précédent. Le même. Toujours. Hein, qui a commencé en 1300 et qui a évolué. 1300, 1600, toujours. Même aspect. Mais on aime bien. On l'aime bien, ce moteur. Franchement, on l'aime bien. C'est accessible. Très fiable. Très fiable. À condition de faire chauffer. Ah, la pollution. Ouais, vraiment très fiable. Hein. C'est une autre époque. Ouais, bah, il a quand même il 200... monte très vite dans les tours. Ouais. Il est joyeux. Voilà. Elle a quand même 263 000 km la voiture. Combien ? 263 000. Ouais, et elle marche toujours. Ah, on dirait pas. Il n'y a qu'un joint de culasse qui a été fait. Ah, ouais. Toute sa vie. Franchement, superbe. Tu connais l'historique de ta voiture ? Oui, je la connais. Le troisième propriétaire, le quatrième ? Non, le troisième. Le troisième. Et voilà. Ouais. J'ai racheté par un ami qui vend des voitures, quoi, des voitures. Vend des voitures. Et donc, cette voiture-là, elle est arrivée dans un garage, elle était destinée à faire du rallycross. Ah ouais. Oh. Et on l'a intercepté juste à temps. Oh, vraiment, elle aurait mal fini. Elle aurait mal fini. Ah, ouais. Bah, c'est bien d'avoir préservé. Ouais. Tu l'as sauvé. Voilà. Donc, on rappelle la puissance de ce moteur en 2 litres. 130 chevaux, 130 chevaux. Voilà. Ah, il y a une particularité aussi qu'on n'a pas détaillée, c'est au niveau de la mécanique. La boîte, elle se trouve où la boîte ? Alors, ouais, attendez. Sur le pont à l'arrière. Ouais. Et voilà ce qu'on appelle le système transaxe. Exactement. Un Porsche à faire. J'ai acheté, j'ai une 9 en 83. Porsche à fait, donc la boîte est accolée au pont. Voilà. Pourquoi ? Moteur à l'avant, boîte pont. On équilibre les masses. Pour équilibrer les masses. Voilà, la répartition. On a 50-50 sur l'arrière et sur l'avant. Quand on prend le virage, on lève pas le pied en virage. On a tendance à appuyer, on passe. Ouais. Sauf les virages serrés. Les virages serrés, on peut pas parce que là, c'est la virage serré, voilà. Donc voilà, c'était ce système-là qui était assez nouveau à l'époque. Ouais, c'est des systèmes de transat comme les Porsche 924. Voilà. Alors cette voiture, elle a couru en rallye, hein, modèle-là, je veux dire, en rallye, en production. En cours de production, Snobeck. Snobeck a dû être au moins deux fois champion de France avec cette voiture. En 83. Et d'ailleurs, ils avaient sorti une série spéciale production à l'époque. Exactement, à la suite. Qui doit être à côté, là. C'est ça. Un peu plus, pas tellement, non. Danielson qui préparait, non ? Comment ? Danielson, le préparateur. Danielson, il faisait plus, c'est Peugeot ou autre chose. Ouais, peut-être. Le préparateur, c'était... Je sais plus qu'est-ce qu'il comparait. Ouais. Il y a Auto Delta, autrement en Italie. Auto Delta, bien voilà, sûr. Voilà. Auto Delta, qui a fait des grosses préparations. Voilà. D'ailleurs, en 1975, il y a eu une version rallye. Hein, je me rappelle très bien, mais ça n'a pas perduré. Je me rappelle que Série limitée. Andruet plutôt, qui a couru avec ces voitures-là au début. Oui, c'est vrai. Les premières, exactement. De la mémoire. Oui, Andruet. Sur les turbos Delta. Voilà, c'est ça. Sur les turbos, Delta. Les turbos Delta, exactement. Voilà. Comment vous la trouvez, cette voiture ? Très belle. Elle est super belle. Légende.
Les jantes, c'est pas d'origine, hein. Oui, les jantes d'Alpha Sprint. Ah, récent. Non, 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 pas récent, de même époque. De même époque. C'est coupé Sprint. D'origine, c'était quoi? En tôle. Il y a peu d'options. Si, il y avait des jantes. Il y avait Cavalero, Cava. C'était le nom. Merci à lui, cette très belle Alfetta de Lidl. On aimerait en voir plus souvent, mais comme ça. Mais bon, tu n'oublieras pas toi, hein, je te le laisse. Voilà, je vais vous rappeler à nouveau le calendrier, vite fait. Ah, vraiment, attention. La peste.